Lumière du futur. On est en 96. La PlayStation est sortie cette année-là. La PlayStation sortait pour la première fois. Ouf. On s'était dit que c'était le futur du jeu vidéo. Moi j'ai le souvenir ouais que je préférais le Temple du Soleil. Ah ouais, c'est vrai que c'était... Il était génial le générique des aventures de Tintin. On joue en facile, hein, toujours, je suis désolée. Au cœur du Pérou, l'expédition Sanders Hardmount touche au but. Enfin, ils l'ont trouvé! Raskar Capac, celui qui déchaîne la foudre! Non, facile, c'est dur! Mais oui, je sais! Les professeurs pris d'un mal mystérieux, la vengeance de Raskar Capac, le mystère des boules de cristal. Le professeur Cantono est victime d'un attentat. Je vais avertir le professeur Hornet. Voilà. Souvenez-vous, le chronomètre. Je fais des études d'histoire à cause de Tintin et le Temple du Soleil. Ah d'accord, on peut pas se mettre au premier plan. Bah, problème, c'est un connard. Ah, ça n'a pas son Bilbo qui est ici. Putain, mais faut esquiver les... Ah mais non, facile, elle a pas son bilboquet peut-être. Ah bah d'accord, bah génial, bah superbe. Putain, la fenêtre pour... Ah peut-être qu'en facile, elle a pas son bilboquet. Là, il y a un interrupteur, on clique dessus avec le bouton... Ah. Et on se dépêche, c'est chronométré. Aïe, c'est parti. Hop, je récupère ça. Je le pose pas là, je le pose ici, je saute, je re-saute, attention! Oui, c'est bon, hop, je prends ça, je le distribue sur la gauche, hop, je saute, je fais les élans, je saute, aïe, je saute, et c'est déjà fini. Je suis dans un beau musée, comme malheureusement, en près d'un siècle, ils ont coupé les budgets. C'est vous et le bureau du professeur Hornet! Et au fond du couloir! Putain, l'animation du pont, elle est extraordinaire par contre. Non, c'est pas vrai. Ah mais t'es ridicule, Tintin a esquivé tout le monde. C'est comme ça. Oh non! Le professeur Hornet est lui aussi endormi. Hop, on est reparti. Et demi-tour. Ah bah oui, nouveaux obstacles, nouveaux... Ah mais t'es ridicule. Tintin. Le professeur est victime d'un mal mystérieux. Quoi? Hornet aussi? Je dois avertir le professeur Bergamote. Et c'est reparti. Ah putain, hein? Putain, on pourrait jouer à Fire Emblem Three Houses, on est bloqué sur... Mais qui a décidé de jouer à ces jeux? Ah, c'est moi. Vous avez vu le professeur Bergamote? Bergamote, il est très gentil. Je vous le présenterai. On a fini un niveau, yes! Mon cher Bergamote, je te présente deux de mes amis. Messieurs, soyez les bienvenus. Grrr. C'est la momie de Raskar Capac qui effraie votre chien. Voici ce qui était gravé sur les murs du tombeau de Raskar Capac. Dans des milliers de lunes viendront sept étrangers. Ces profanateurs emporteront le corps de celui qui déchaîne la foudre, mais la malédiction les poursuivra par-delà les mers. Crac! Logique qui te fait esquiver les passants. D'accord. Non mais, et bon, ça va, le chronomètre, il continue, hein. T'attends pas, hein. Oh, génial, bah super, bah grosse ambiance. Faut esquiver la bouboule, faut esquiver... Je disais... avant d'être interrompu. Est-ce qu'on peut être touché par la bouboule? Bah oui, bien sûr qu'on peut être touché par la bouboule. Même pendant la cinématique. Par contre, j'ai réussi à enclencher la cinématique plus rapidement. Ah mais non, mais toujours! Le livre, la boule, le machin, tout. Tout va à mort.
Donc là, voilà. On suit, en fait, le couloir, en quelque sorte. C'est un peu un... Non, c'est un peu un labyrinthe, je crois me souvenir. On peut aussi se prendre les pieds dans le tapis, comme ça. Attention. Mais c'est quoi cette maison hantée, là? On va là. Je sais pas. Non, j'ai récupéré... Ah, oh. Ça dure pas longtemps hein, quand tu récupères de la vie dans ce jeu de mort. Cours, Tintin, cours, la porte. Ouf. Oh non, putain, mais... Attention, plus dans le tapis. Oui, mais j'aime bien l'animation. On a fini le niveau. On a fini le niveau, yes. Durant la nuit. Zing. Le lendemain. Bergamote est-il là? Oui, mais il a été victime de la boule de cristal. Il n'est vraiment pas bien. Au jardin, je vais le rejoindre. Oh, un bracelet. Oh, ce niveau-là était relativement cool. C'est celui qui se trouvait au bras de la momie. Il va ravir. Ah oui, la démarche de tournesol me trigger. J'ai toujours cru qu'il marchait avec la musique, tu vois. Tournesol, tournesol. Donc là, en fait, Tintin, au lieu d'aller rejoindre tournesol, non, il faut bien sûr grimper. Parce que nous sommes dans un jeu infogramme, hein, bien sûr, les gens, rappelons-nous. Alors, cette branche-là, je crois me souvenir, on peut pas rester... Et grimpe, connard. Voilà, c'est ça, elle se casse. La trace d'une main ensanglantée. Là, en bas, le parapluie du tournesol. Du tournesol, pardon, pas du tournesol. Oh, je me suis mangé des dégâts de chute dans un jeu de plateforme, et va te faire foutre, le jeu. Capitaine, ton seul a été attaqué, poursuivons ses agresseurs. Ah. Et donc là, en appuyant sur X en fait, je joue le capitaine Haddock qui a un flingue. Donc je vais au bord de l'écran, et j'appuie sur B. Je retourne sur Tintin, parce qu'en fait, un tir de capitaine Haddock, ça dissuade les méchants de tirer. On est reparti. Regardez, il y a de l'action. Oh, il y a une branche qu'il faut récupérer. Hop, un petit tir de sommation. Hop, je récupère la branche. Mais il tire plus, là, le con. Mille millions de mille sabords. J'ai le Haddock illustré le dictionnaire de toutes les insultes du capitaine. Oh, il est cool, le capitaine Haddock. Ah, non, je peux pas. Mais il tire quand, l'autre? Ah bah voilà, enfin. Mais au bout d'un moment, le capitaine, il te lâche, en fait, dans cette séquence. Je n'ai plus de munitions, Tintin continue sans moi et semble désarmer le tireur. Mais regardez la cadence de tir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai une branche devant moi, j'ai quelqu'un qui me tire des balles à volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais mourir. Bon bah... Géronimo. Bah oui, mais forcément, bah oui. Je te chasse. Je commence pas depuis le début quand même. Cette musique chillos alors qu'on lui torte dessus. Ouais, mais c'est ça, ça devrait avoir une musique. Non, mais même pas. Bon allez hop, on descend. Comment on descend? Comme ça, très bien. Sans se manger de dégâts. Yes, trop fort. Non, capitaine. Ah d'accord, il tire dans... On peut se cacher dans les âmes même s'ils ont pas de... Attends.
Ou c'est seulement pendant la cinématique? Ah non, on peut se cacher derrière les arbres en vrai. Va savoir ça. Alors que les arbres ne représentent pas un obstacle pour toi, tu vois, tu passes au travers. Non mais ça, faut le savoir ça. Attends, j'ai envie d'essayer. Si je me planque là. Bon, on verra une fois. Non mais... On récupère le bout de bois. Je devrais utiliser une sextape quand même. Ah, oh, j'ai plus de munitions, continuez sans moi. Mais non, mais il va te faire foutre, mais sac à... Ah oui, bah je m'en fous, je continue. Ah, ça remplit toute la vie, ça. Une sextape, mais la castation n'apparaît pas dans cet épisode. Franchement, tu regarderais une sextape avec la cast... Totalement, totalement. Et là, bouton A, qui sert jamais hein, normalement. Ouah, un mot de passe! La voiture. Retiens le mot de passe sur elle. Il nous échappe. Ah oui, il était cool ce niveau. Et par contre, je lui dis, ah, c'était la mort. Plus tard, une petite musique chillos, alors qu'on a enlevé le professeur Tournesol. Allons en port! La police a vu une voiture correspondant au signalement de celle des ravisseurs. Et là... Putain, mais regarde la taille des sprites des bagnoles que tu dois esquiver, quoi! Ah, pouette toi-même! Putain, la vitesse! Attends, rouge droite, bleu gauche? Non, ça veut rien dire, non. La voiture se déporte toute seule. Avec les virages. Regardez, c'est pas moi qui tourne à droite. Hein. Oh mais ma vie! Putain, mais il roule n'importe comment hein, sur cette route, c'est pas possible. En contresens, tout ça, c'est... Oh! J'ai esquivé le motard! Je parie que même dans le world record du speedrun, ils esquivent pas le motard. Oh! Pourquoi c'est à moi de les esquiver, putain? J'ai l'impression qu'elle est généreuse quand même, la hitbox du motard. Oh! Sans se manger un seul dégât, on a passé le niveau! Notre entretien avec la police n'a rien donné. Pauvre tournesol! Ah, quick et fluke! Ah, ça fait des dégâts, le pique. Hop! Oh non, mais non, mais... J'adorais Quick... Oh putain! Oh, cet esquivage... ça, c'est impossible à esquiver. Je vous le disais justement, c'est impossible à esquiver. Oh putain, il me manque quelque chose. Il me faut une plateforme là.
Il me faut un truc. Il me faut quoi? Mais... Ah oui, non, faut... D'accord, faut grimper. Oula, ah, ça aussi, ça, c'est chaud à esquiver, ça. C'est moi, ils sont plus générés en vie dans ce jeu de mort que dans Tintin au Tibet. Putain, le chrono, il est généreux aussi. Oh non, la casquette de tournesol. Oh non, oh là là. Il y a de la vie. Ah, bah je me disais bien, bah je me disais bien. Gratos, comme ça, la vie, c'était un peu bizarre. Le jeu est meilleur, globalement. Mais il est plus vieux, on a vu 96, alors que c'est 95... Oh mais non, mais sac à merde! Oh non, mais non! Il faut forcément, et connard! Je me disais bien qu'il y avait un passage sur la gauche, et c'était étrange, et... Il faut se taper le... Non, mais la hitbox des piques! Allez, faut parler au gars. Parle au gars, fais quelque chose, Tintin. Parle-lui, mais fais quelque chose! Ah non, mais faut que je dise à l'autre. Oh là là, mais ça y est, bah c'est mort. Bah oui. Mais oui, faut parler au grutier qui me dit que lui manque ses... Mais oui. Il y a quand même une voix digite qui disait tonnerre de Brest, hein. Tonnerre de Brest. Ah non, faut recommencer la bagnole. C'est pas grave, j'ai ultra instinct. Faut vous dire que Petite Zig s'est buté sur ses niveaux, mais... Des centaines d'heures. En fait, j'ai validé le mot de passe... B, c'était pour valider le mot de passe, alors que j'avais pas entré de mot de passe. Donc ça disait non faux, en fait, c'est tout. Enfin, c'est ce que ça voulait dire, tonnerre de Brest. Mais c'est moi, ce niveau, il est plus facile que le niveau des gnous dans le Roi Lion. C'est comme des tarés sur cette route. Non ! Mais je vois le regard ! Non ! On tient ma famille sur une centaine de générations. Poète ! Mais moi aussi je peux klaxonner normalement, j'avais un bouton pour poète. Select ? Non ? Ah, faut appuyer sur O. Moi aussi je peux klaxonner, hein ? Hé, je peux esquiver les bagnoles tout en klaxonnant. Inutile, donc indispensable. Yeah. Non ! Putain, mais va esquiver ça, quand tu vois rien et... Oh... Bah non, bah hé! Bah non, hein! Putain, la plateforme elle est tellement. Calculée au poil de cul près là! Non! Tout ça dans ce jeu, c'est comme le cri de guerre dans Chivalry, ça sert à rien, mais qu'est-ce que c'est drôle? C'est ça! Tu peux aller au premier plan ici? Ah ouais!
Bon bah voilà, hop, c'est bon. Putain, mais il y a vraiment des... Ils sont vraiment dangereux. Allez, et là je parle au grutier, normalement ici. Voilà, ma grue est en panne, il me faudrait des outils, voilà. Putain, mais va savoir qu'il faut parler au grutier, normalement. Putain, crois-moi qu'il faut passer des heures dessus pour se buter, pour savoir ça, hein. Ah oui, alors ça aussi, ça m'a toujours trigger. Je me suis toujours dit, mais il saute en mesure, tu sais, avec avec la musique. Non, mais non, mais va bouffer tes grands morts. Putain, le retour, là. Non, je le sens pas. Et là, le niveau, il est fini, là. J'ai trouvé ceci. Milou, c'est le chapeau de tournesol. C'est celui avec lequel les enfants jouaient. Aide-moi à les retrouver. Mais c'est passé quoi? Ah merde, je me suis fait jouer par scrolling. Fallait que je suive. Mais oui, on les voit jouer avec le chapeau. Oh putain. Putain, mais ça aussi, là, on les voit les caisses à la sortie du... Mais non, mais c'est pas possible, mais qui... Mais... Non! Mais il a mis ses chaussures en savonnette, Tintin, aussi, en se levant ce matin. Oh putain, ce labyrinthe. C'est mieux que ce... Bah oui, voilà, c'est ça, ça reste du infogramme, c'est... Putain, et... Là, voilà, bruit en panne... Ça va, ça s'esquive facilement. Oh, j'ai réussi à passer les pics. Voyez-vous des outils? Tenez, prenez. Ben non, ben il est au chômage, il fait rien, voilà. Il se tourne les pouces. Oh, j'aurais dû sauter, en fait, comme tout à l'heure. Putain, je crois me souvenir, la course-poursuite aussi va esquiver les trucs, hein. Mais, qui, mais, lui, mais regarde, il y a Donkey Kong, là, qui balance ses tonneaux, là. Pourquoi il fait ça? Aide-moi à les retrouver. Hop. Et c'est la course poursuite. Ah putain. Ouais, bah ça, on s'en fout. Allez, on court. J'espère qu'il n'y a pas d'autre obstacle que je peux... Non, bah non, bah écoute. Mais non, mais il y avait le scrolling là qui me stressait là. Il y en a qui bossent et trois qui discutent. Je devrais sextape avant la course poursuite du chapeau. Ce qui fait que j'ai même pas besoin de la vie. Fais une sex tape avant la course. Même maintenant. Non mais ça va, je maîtrise maintenant. Regarde. Tandark a passé tout le let's play de FF7 Remake à me crier dessus. C'est trop beau. Bonjour ma vie. Ma grue est en panne. Il sera à peine la tête, mais démarre-toi, Gérard! Putain, mais t'es un grand garçon, là! Oh non! Non, non! C'était le perfect! Mais...
Putain, en plus, faut se mettre au poil de cul près. Hop, 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 c'est bon. Oh, je suis full life pour la course poursuite du chapeau. Alors, save game position, voilà, c'est bon, j'ai sex tape. On va en parler de la fête remake. Super PC, il faut passer outre, on n'était pas d'accord. Alors, clairement pas. Là, c'est bon, allez, go! Est-ce que je peux me permettre d'y aller comme une zouave? Oh, j'ai réussi à esquiver! Mais non, mais y a machin là! Sous une pile de caisses dans l'entrepôt I7. Le 14 entrepôt 17. Ah, il y avait le Pachacamac. Calao est un port péruvien. Nous partirons le plus vite possible pour le Pérou. Ah, oh, putain, le prochain niveau. Au port de Calao au Pérou. C'est encore une énigme. Façon l'hôtel dans Tintin au Tibet. Mille sabords, le bateau est mis en quarantaine. Pas question d'attendre. Cette nuit, j'irai à bord du Pachacamac. Ah oui, il y avait un chat noir. Oh, je me souviens plus par contre. Ouf, il m'a pas vu. Le gars, il est aveugle. Ça rame, hein, c'est normal, hein, c'est... Faut sextape à chaque péripétie passée. Hein? Mais non, mais il y avait un interrupteur! Machine fonctionne. Il y a un interrupteur là, on le voit. Comment on y accède à cet interrupteur de mort? Et lui, je me souviens. Lui, il a un flingue dans la main, mais il apparaît pas, regardez. Peut-être la censure, je ne sais pas. Seigneur, t'attrape, t'es morte. Oui, je me souviens. Ah bah d'accord, on atterrit. Mais est-ce que c'est normal, regardez, en termes de... De design, est-ce que c'est normal que cette porte n'amène pas à cet endroit, en fait? Ah d'accord, c'est pour là. Hein ? Quoi ? D'accord. Faut pousser la caisse. Ah, faut pousser la caisse ! On peut... Oh non mais... Le bouton X n'a jamais servi à rien. Non mais là franchement... La caisse invisible. Heureusement qu'ils sont... aveugles sur ce bateau. Ah non! Thank you.
Et moi, quand j'étais gosse, j'ai pas trouvé tout de suite. Ah non, mais je crois que dans le manuel, c'était indiqué qu'on pouvait pousser des caisses, mais... Sérieux. Faire une sextape. Je sais plus à quoi ça sert. Mais ta gueule, connard! Ah d'accord. Y'a que les bleus qui t'attrapent. Par contre, j'ai balancé la bouteille. Ah, oh non, mais sérieux, la vie cachée là? Et pourquoi l'interface est cachée derrière le bateau? Non, mais laisse tomber. Qu'est-ce que je fais là? Ah, je suis de l'autre côté du bateau maintenant. Bah, c'est pareil, j'imagine je monte. Ah non, mais c'est là qu'il fallait utiliser la bouteille! Oh là 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 là! Mais oui, c'est ça! Il a pas donné l'alerte, le con là. En plus, t'as une chance sur deux. C'est soit le décor du fond, soit en premier plan, en fait. Sauf que tu peux pas savoir à moins d'avoir raté une fois. Je fais sextape. Il y avait de la vie à... Ouais, mais je sais pas comment l'atteindre et ça m'emmerde et voilà. Mais je suis vous live en plus. On est d'accord que le flingue a été caché à la... À la censure. Enfin, c'est censure, entre guillemets. C'est fini, là. Oui! On a battu le niveau, yes! Cet homme a commis un sacrilège. Il s'est paré du bracelet sacré, de l'Inca. Il doit mourir. Ah putain, l'échappation du bateau. Alors ça aussi, c'est un niveau de mort. Parce que Tintin, n'hésitez pas à montrer les flingues. Exactement. Parce qu'en fait... Alors regardez. Alors c'est plutôt sympa, hein. Mais en fait, voilà, on peut pas aller plus à gauche que ça. Et on peut pas aller plus à droite. Voilà. On peut se faire tuer par les éclaboussures, en fait. Donc en fait, faut juste éviter les tirs. Là. Si tu vois que ça part à droite... Tu sais que ça va à gauche, etc., etc. Et Tintin avance automatiquement. En fait, tu te fais pas tuer par les balles, tu te fais tuer par les éclaboussures dans ce jeu. Parce que techniquement, on est bien d'accord que la balle passe derrière la tête de Tintin. Là. Ah oui, c'est de plus en plus resserré, d'accord, ok, jeu de mort. Les éclaboussures sont plus larges encore! Oh, l'éclaboussure! C'est comme durant les vraies batailles navales, les premiers bordés sont là pour ajuster le tir. Ouah, un mot de passe! Oh, le wagon! Ça y est! El famoso niveau! Ça y est! Ha ha! Le jeu était, il reste beau. Ah oui, oui! Que s'est-il passé? Il voulait me faire prisonnier, mais j'ai réussi à m'échapper. Tournesol est à bord. À terre et maintenant, ouvrons l'œil. Quoi? Ah, ça y est. Les ravisseurs ont embarqué tout seul. Les suivants...
De près, Tintin et Haddock sont en route pour Joga. Vite, capitaine! Notre wagon s'est détaché, va redescendre la pente! Ah, ça y est, elle est fameuse au niveau. En plus, tu peux te tenir comme ça un petit peu, mais attention parce qu'il y a des... Voilà, il y a des obstacles. Ah. Mais c'est pas de la vie hein, que tu récupères, c'est du chrono. Hein. Et, ah oui, il a mis aussi ses chaussures en savonnette, Tintin. Non, mais... Là, bien sûr, on peut pas s'accrocher sur l'extérieur, sinon on se mange le mur. Mais pas des tours. Mais je veux de la vie. Et tu peux pas rester genre à la rambarde en disant ça va te sauver de la valise. Non, 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 non. Le fameux wagon que tu voyais toujours en premier dans le générique de Tintin. Exactement. Non, mais c'est quoi ce niveau? Mais en plus, c'est ridicule, je veux dire. Il y a une valise qui bouge, mais en fait, tu la remets en place et c'est fini, quoi. C'est ridicule, ce niveau. Non, mais non, mais j'avais le bout du nez qui dépassait du wagon, là. Il glisse, je vous jure, il glisse, Tintin. La valise, on la voit même pas, là. Tu sais même pas, tu peux même pas te dire, ah, faut que... Ah. Vos gentils... Ah, oh, putain, waouh, j'ai réussi à esquiver. C'est... Le timing est ultra chaud. Oh non, 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 c'est fallait, ah, fallait rester là. Ouf, vite. Pff, elle est plein d'épines, maintenant. Pauvre Tintin. La valise, regardez la valise. Non, 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 la valise. Oh putain, j'ai anticipé un peu trop, là. C'est pas grave, on a le mot de passe du wagon, maintenant. Ah oui. Allez, on reste. Le wagon. Putain, j'ai trop de viewers pour ce jeu. Bonjour à tous les gens. Oh là. Mais elle fameuse au niveau quoi. Regarde, tu vois, tu peux pas rester là en te disant c'est bon, je suis safe de la valise. Non, la valise elle vient te chercher par la peau du cul. Genre tu te croyais safe ici, mais non. Mais non, mais pas aïe. C'est ridicule ce niveau avec la valise qui se balance là. Mais tu la ranges la valise, on n'en parle plus. Enfin c'est... J'ai pas assez anticipé, c'est vrai. Mais il glisse, Tintin glisse. Je sais pas qui glisse le plus entre la valise et Tintin. Par contre, Spirou, je détestais le jeu. Oh bah voilà, j'ai... Je détestais le jeu. T'avais un seul mot de passe au milieu du jeu. Et je voulais vraiment pas que tu joues avec lui. Hein. Encore Tintin était jouable, mais alors Spirou, c'était infernal. Mais même de base, j'aime pas Spirou. Si, j'aime bien, mais parce qu'il y a Spip, tu vois. La décharge de Tintin va rester debout et stable sur un wagon qui descend en pente. Mais la valise, tu la balances par-dessus bord. Tu t'emmerdes pas. Ah bah voilà, je sextape à la fin. Ah putain, ce niveau aussi, c'est une énigme. Comment ça? Aïe, je...
de Franquin, je préfère. Ah ouais, Gaston Lagaffe. Mais totalement Gaston Lagaffe. Moi, je suis team Gaston Lagaffe, c'est sûr. Ah, comment ça, je suis passé à travers le pot? Ah, mais attends, il y avait un passage. Non, si. Crachat du lama qui peut te tuer. Ah ouais, totalement. Surtout que là, j'ai... Ouais. Ah si, il me reste un petit barre de vie. Bah oui. Oh là! Je peux passer? Ah d'accord. Ah bah voilà, je suis revenu. Bah super, bah je... J'ai fait le tour. Là, on est d'accord, j'ai fait le tour, là. Ouais, le jeu est déjà plus généreux en vie, hein, c'est fou. Il devait savoir qu'il faisait de la merde. Ça pourrait être bien, ça dépendait. Ouais, non, il y avait mes mêmes globalement. Un homme de petite taille avec une barbiche noire et des lunettes. Vous, pas vu lui? Non, c'est. Oh! Esquivage. Ah, le chien, non, le chien! Ouf! Donc, tu vas voir le retour de Tintin au Tibet? Ouais, un petit peu, ouais. Oh putain, la vie qui me nargue. La vie qui nargue. Oh, je sais ce que le chien! Ouf! C'est moi qui faisais les bruitages de chien dans les jeux infogrammes. Oh là! Non, c'est. Ouf! Oh putain. Ah si, attends. Je le sens mal. Je le sens très très mal. Ah, il y avait un combat de boss nul! Ouf! Je vais où? Mais j'ai rebouclé! Ah oui, parce qu'à un moment il y a le combat de boss qui s'enclenche, mais. Donc fallait pas aller à gauche, fallait aller à droite. Non, mais faut sauter. Ah bon, tu crois? Là? Ah oui! Bien vu, Tandar. Et là, combat de boss. Vous n'avez pas honte de martyriser ainsi ce garçon? Et donc, en fait... Non, putain, comment on fait? Il faut esquiver. Oh là là. Voilà. Non. Mais non. Mais... Oui, trois fois. Non, mais... Mais oui,
Et pourquoi il existe deux esquives si celle-là est meilleure, en fait, j'ai jamais compris. Moi aussi j'utilisais que celle-là en fait, mais... Mais non, mais... D'accord. Psst, Seigneur, toi t'arrêter, Seigneur, toi écouter. Moi savoir où être homme que toi chercher. Toi venir demain lever du soleil au pont de l'Inca. Parce qu'il fallait montrer le talent des animateurs. Le lendemain. La voix dans le buisson, c'était toi. Au fait, quel est ton nom? Zorino, Seigneur. Moi aidez-toi à retrouver ton ami. Après une longue marche, bientôt nuit, nous camper. Sinon, ils peuvent pas utiliser ce sujet à faire couple. Wouah! Zorino a été enlevé cette nuit. Il faut le retrouver et l'arracher des mains de ses ravisseurs. Toi, passer à gauche des statues, Seigneur. Oh putain, le niveau avec le condor. Ah bah oui, dégâts de chute. Je suis con. Dans un jeu infogramme. Parce qu'il parle pas bien français, puis c'est RG, hein. Racisme, tout ça. Non ! Franchement, ça se saurait ! Alors, faut que je tombe. Bah oui, mais je suis obligée de manger des dégâts ! Et là, je fais quoi ? Mais aïe, mon cul, aïe. Mais... Lucky, il se retourne. Quand même, Yorel, hein, c'est... On a effectué 50% du jeu sans trop tricher, les gens. Bah écoutez, je suis fière de moi. Non, c'est un peu beaucoup raciste. Hein. Attends, les schtroumpfs! Un peu beaucoup quand même. Hein. Ah, Smurf peut-être. Ah ouais, il y avait les Schtroumpfs 1 et les Schtroumpfs 2. Mais moi c'est... Enfin, j'avais les deux. Mais alors le deuxième, je l'aimais vraiment pas. J'ai dû faire deux niveaux dessus. C'est trop bizarre. S-C-H, non, S-C-H. T-R-O-M-P-F. J'ai eu que le 1, moi. Oh non, le 2 était vraiment pas bon. Hein. Pire que le 1. Pas besoin pour lundi. Ah oui, parce que j'avais tout proposé pour... Il y aura rien pu revenir. Au pari. Ah. Ah, au moins une. C'est quoi ça? 10 intégrations, review code. Le formulaire de demande est en ligne. Ah oui, c'est vrai que je suis toujours considérée comme rédactrice jeux vidéo depuis mon passage. Depuis mon passage à Millennium, en fait, ils ont donné ma boîte mail à une agence de communication et depuis, j'ai des annonces comme ça. Ouais, si vous voulez. J'avais même une place à l'E3. J'avais même une place à l'E3 2020. D'ailleurs, j'ai hâte. C'est dans une semaine. Je décolle dans une semaine. J'ai hâte. Bon, allez, ça suffit, les jeux de merde. Non, j'avais d'autres idées, mais... Mais merde, quoi. J'ai envie de jouer à des vrais jeux, moi.
Quoi? Comment ça, Tandor? C'est quoi ce rire sardonique? Tu veux dire que tu me caches quelque chose, c'est ça? Il y a quelque chose que j'ignore. Mais non, il y a le 3, ça va être génial. Tu parlais de le 3. Bah ouais, ça va être cool le 3. J'ai hâte d'y être. J'ai l'agence de presse qui m'a dit « Ouais, zig zig, vous pouvez emmener quelqu'un avec vous et tout. » Donc j'y vais avec l'Altan, moi. Ah non, c'est pas cette année que j'ai eu des places. Enfin, que j'ai eu des places, entre guillemets. Mais que je reçois des mails, toujours. Hein, « Ouais, si vous voulez tester, si vous voulez tout ça. » Je réponds pas, moi, ces mails-là, maintenant. Encore si je pouvais tester, je sais pas, des vrais jeux, mais alors Valorant, tout ça, qu'est-ce que je m'en fous, moi. Est-ce qu'on se sent pour du Yakuza 0? Est-ce qu'on se sentirait pas plus pour du Fire Emblem? Le jeu qu'on finira jamais. Attends, Yorel, je vais essayer de faire la mission toute seule comme une grande. Ah merde, la VOD! Au revoir, fleur du futur!